Le prince Andrew Paci banni de la famille royale. En août 2021, une plainte était déposée contre le duc d'York par Virginia Giuffre qui l'accusait d'agression sexuelle. Après des mois de médiatisation, ce dossier s'est finalement clos avec un accord conclu entre les deux parties, et une grosse somme d'argent promise à la plaignante. Tombé en disgrâce, privé de ses titres militaires et de ses patronats, le prince Andrew a été ensuite sommé par Elisabeth II et le reste de la famille royale de se faire oublier. Toutefois, il n'a pas manqué d'assister, avec les Windsor, à la messe en l'abbaye de Westminster organisée en hommage au prince Philippe, mardi 29 mars. Si sa présence a été acceptée à contre-cœur par certains membres de la famille royale, certains misaient sur son bon sens pour ne pas chercher à se mettre en avant après le scandale dont il a fait l'objet récemment. Cependant, c'était sans compter sur le prince Andrew lui-même qui, après avoir longuement clamé son innocence, a décidé de se mettre au premier plan lors de la cérémonie, et ce, en jouant les fils dévoués avec sa mère Elisabeth II. Une attitude qui n'a pas du tout plu au prince Charles et William, consterné que le duc d'York, père des princesses Béatrice et Eugénie, se mette ainsi en avant en entrant dans l'abbaye aux côtés de sa mère, rapporte le Daily Mail. Comment Elisabeth II approuve le prince Andrew pour d'autres spécialistes, la reine a de cette façon approuvé son fils en acceptant sa présence à ses côtés. C'était sa façon de montrer tranquillement, ok, il a vraiment MD, c'était une honte, mais si y estime mon fils, a ainsi précisé Jenny Bond. Si y estime une chose d'accepter qu'il assiste au service commémoratif de son père, scène est une autre de lui donner ensuite un rôle assez important, donc c'était un choix actif, a-t-elle souligné. Arrivé en voiture avec la reine, alors qu'il habite sur le domaine de Windsor, si y est-il au premier rang que le prince Andrew s'est installé, aux côtés de son frère cadet, Edward. Le prince William et Kate Middleton, qui étaient accompagnés de leurs enfants George et Charles, étaient quant à eux assis derrière la reine et le prince Charles. Loading Widget.